Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous prenons le chercher pour te le baou Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est la seule plateforme sociale YouTube qui va jamais nous voir monter sous personne. Nous pas 25. Nous avons des vidéos. Prêtez-nous Géo Axoré ou prenez Tichès Bar ou invitez 2-3 amis qui ont bien cagé sur ton DIA. Nous avons fait un coulis. Fin cap fait. Fin cap fait. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo ça. Et pas oublier que vous êtes sous Marchandise Haïti. Maman Pemba, je dis à ce 1er décembre 2019 et c'est le premier jour dans le mois. Pas oublier de remercier mon Dieu parce qu'il était 30 jours seulement pour toute année 2019 là. Donc on souffle, on respire, nous pas payer rien pour ça. Liban nous santé. Donc il fait nous vivre toute année ça et nous avons plusieurs autres années nous allons vivre encore. Pas oublier pour un petit temps pour dire grand maître là merci pour ça, ok? Parce que vous pas payer pour ça. Les gratis, chérie. Donc, on rentre dans un gros point qui a dominé l'actualité. À fusillade dans Mariani, au moins 6 personnes tombées en babal pour pipiti. La police Fouquet, yon chef gang dans Bombado Police. La justice dans le pays voisin, Saint-Domingue, yon condamné yon pasteur pour passer 20 ans en prison. Donc, Kato réagit après l'arrestation en elle, contrairement avec Mathias. Changement dans tête commissariat, c'est Macla. Yon autre fois encore, opposition a annoncé gros manifestation dans Gonaïve, jusqu'à 5 décembre 2019. Là. C'est tout gros point ça, nous allons développer pour vous dans le bulletin information, jeudi 1er décembre. 2019, là, pas oublier tout le monde qui a rentré Saint-Domingue qui a besoin de machine pour louer. Pas hésiter à contacter Sochorin TK 809-761-91-63. Il y a un chauffeur. Donc, il y a tout type de machine qui est capable de besoin. Si besoin de belle machine, besoin de flâner dans Saint-Domingue, pas hésiter à contacter Sochorin TK. Bouik chaje pas campé en rentrer dans gros point cap dominé actualité. Et bien, j'en te tout là. Yon gros fusillade fait dans Mariani. Plusieurs chrétiens vivants tombés en babal. Au moins 6 moun tombés en babal. Dans la nuit pour sortir. Samedi 30 pour entrer dimanche 1er décembre 2019. Là, Mariani qui basé dans la commune Gressier. Département l'Ouest pays d'Haïti. Et bien, je ne dis là, pour pipiti, 6 moun tombé en babal. Personne pour qu'on ka identifié nan ki si constance moun sa yo mouri, mais que tout matin la moun sa yo ou tap gade on série de moun ki couché à terre. Jeune garçon qui chargé à kaveni devant yo, couché sous chaise, kage, balle dans tête, son bagay qui vraiment, vraiment triste, et gen plusieurs autres moun qui blessé tout, donc yo allé avec yo nan l'hôpital. Mais cependant, opposition longe doit sous pouvoir en place avec yon machine policier sans plaque qui t'a commet Zaksa qui touye plusieurs chrétiens vivants nan Mariani. Dans une conférence de presse, jeudi 1er décembre 2019, la opposition envoie un message piment bouc by autorité américaine au côté de Dieu suspend foué dans yon nan cause Haïti et yon annoncé deux journées de mobilisation côté yon pralé nan Gonaïve 5 décembre dans moment date découverte Haïti et yon pral font gros manifestation le mouvement levé campé nan Gonaïve yon annoncé que gen l'autre mobilisation cap vini côté yon pral devant ambassade américaine côté gen pile moun qui pral présent pile autorité opposition en tout, donc par le biais de André Michel, yo bay lis non moun ki mouri ki victime nan massacre Mariani ou bien fusillade n'importe jon Takadil, jour qui était samedi 30 pour aller nan dimanche 1er décembre 2019 là. En tout cas, et bon invité au suivre avec plus attention. Jovenel pa gen support aucun secteur nan vie nationale là. Mais li clair tout pour tout le monde que Jovenel gen support les Américains. Et c'est ça qui fait le clair pour tout le monde. Que bataille pour jeter Jovenel là, nous jeter Jovenel là. Gen les Américains qui bataillent avec les Haïtiens parce que les Haïtiens veulent prendre destin en main. Je dis, les Jovenel disent, la dirige le pays, qui ça la dirige? Même le sénateur, sénatiste dit, il a même rencontré avec Jovenel pour demander Jovenel qui soit dirigé. Je dis à Parlement qui est en bas là, à quelques mètres de Palais National, à M. Hôtel l'a cherché pour louer. EDH pas en bas encore, BMPAD pas en bas encore. Paquet n'a pas en bas encore, primature pas en bas encore. Ça veut dire pas de bureau en bas. C'est celle-là, mère qui n'est pas bien comme moi, qui en bas. Je me demande qui l'a monté Pétionville avec la mère. Ça veut dire, je dis, je ne crois pas qu'aucun pays, aucun monde qui a supporté Jovenel, qui a dit que Jovenel contrôle le territoire. Il n'a pas contrôlé rien. Hier soir, au massacre qui fait, je me prends André Michel, il y a tout le monde qui est tombé. Et c'est à quelques mètres pour la caille. Bandit PHTKO, associé avec la police, nous fait massacre ça.
Ça veut dire depuis la semaine passée, on a matraqué la population. Je suis de Bel Air, il y a le Miagouane. Le Miagouane, il y a passé Tibouave. Tibouave, il y a arrivé Mariani. Ça veut dire André va parler de ça. Et j'ai aujourd'hui annoncé, moi gagné deux points que je vais parler de eux. Premier point, c'est la question de l'insécurité et relation police-population. Et deuxième point, c'est mobilisation de la Gonaïve à partir du jeudi 5 décembre 2019. Côté toute opposition à plat et l'aide de l'opposition, a invité les cinq regroupements principaux de l'opposition. Premier point, nous allons parler de l'IA, c'est la question de l'insécurité. Dans une réunion de travail, nous avons fait un lundi de la commission de justice et de sécurité. Sénateur, sénatrice, là, nous avons déterminé gagner en répartition géopolitique des gangs dans la capitale. Ça veut dire que chaque côté gang yoye, eh bien, il y a un monde dans le palais ou bien un monde dans le pouvoir qui fait contact avec. Et la commission de justice et de sécurité qui est pour travail, pour te voir qui est dans le palais qui fait relation avec gang yo. Et nous avons mis au travail. L'autre jour, il y a eu de déterminer quelques leaders, quelques membres du cabinet président qui ont même fait contact à gang. Et c'est comme ça que M. Foutier, lui, c'est lui qui a déporté pistolet avec ZAM by gang dans Tibois. Et après, qui a déporté même bagaille avec gang au niveau Bissaclay. Donc, le ça, nous établissons une relation entre le palais et gang. Et ça dérivé le fait que il y a une mauvaise répartition, qu'il y a un problème qui posait dans le bail là, et bien que M. Fritz Jean-Louis, lui-même arrivé et a tiré sur lui. Ça veut dire. Ça veut dire que je dis à question de insécurité politique là, il établit côté que c'est palais national, membre cabinet président, à travers les moyens que vous gagnez, cap alimenté. Et c'est comme ça le fait. Dans toute région métropolitaine. Et là, nous comprenons que même M. Fridjalia, c'est lui qui était dans le mercenaire. Et mercenaire qui l'a eu, moi j'ai déjà fait enquête là, par résultat, c'est mercenaire qui sortit dans la compagnie académie aux États-Unis, à Black Waters, qui ont même fait massacre en Irak. Nous comprenons que les mercenaires sont là. Un, leur que parlait mettre des gens pour faire relation avec Grand Pino. Deux, un peu de massacre dans le pays. Massacre La Saline, en deux fois, Massacre Bel Air, Tokyo, Kafoufei, Maya. Et nous voyons que c'est mal. Ces spécialistes-là, eh bien, qui ont même qui ont formé les gens. Et c'est les gens qui ont mené qui ont fait relation avec les gens. Pour ça qui est là pour que les gens ne soient pas là. Moi, je crois que la relation est établie. Et c'est peut-être ça. Moi, je dis, moi, écrit, sénateur Sénatus, moi, je dis, puisque nous avons établi déjà que gang yo tenait relation avec Palais et que nous venons découvrir ce monsieur Fouchabui, eh bien nous demandons pour que il conclue enquête là. Enquête qui t'a fait là pour conclure et que pour ni international ni international, maintenant qu'on y a une relation qui est établie entre gang yo et Palais national. Ça veut dire que dans Palais national, mon président qui sont chef gang. Et ça nous vient, c'est que le directeur général de la police là, l'a monté dans Badel, mais nous, eh bien, tout effort qu'il a fait pour le déployer, pour l'arrêter l'autre monde, pour persécution politique, il n'y a pas jamais lui-même. Soit disant, il est dans le DCPJ, il n'y a pas jamais arrêté l'autre monde. Et ceci, c'est grave pour officier de police d'arriver dans cette situation. Parce que moi-même, j'étais officier de police. Moi-même, je connais pour officier de police, quel que soit mon observé président, eh bien, au minimum, pour nous. Minimum, là, nous allons retrouver là, non. Nous, en police, servir. Nous, en police, à servir. Et c'est ça fait, je dis, à nous dire, attention, police là, c'est police population. Et les gens qui servent, qui asservent, eh bien nous disons, eh bien je dis, là, la situation qui est arrivée, pour bon policier au détaché. Policier qui a demandé, justement, pour yo, bayo, et tout ça, yo gagne qui revenu le droit, eh bien, syndicat, policier, nous disons, pour détacher, pour ne pas confondre avec les gens qui servent et qui a servi police là avec au pouvoir. Et dans ce sens, de la nouvelle situation, ça, la nouvelle internationale, en particulier, comme c'est la dernière, les Américains, que yo dit et aucun besoin de qui là, nous croyons que la route à suivre, c'est la continuité de la mobilisation. Et c'est peut-être ça. Je dis, il s'agit de ça. Toute opposition, que ce soit alternative, l'opposition institutionnelle, marché contre le bloc démocratique ou le forum papaye,
et toute l'autre partie, eh bien, nous invitons pour que tout le président de la Yves pour nous lancer une mobilisation totale et capitale, parce que nous-mêmes, nous croyons que je dis à force peuple là, peuple qui est en bataille, n'est pas jamais perdu bataille. Et c'est peut-être ça, jeudi, ce sera la grande mobilisation au Gonaïve. Écoutez déjà, puisque la fête Gonaïve, toute la commune avoisinante, et bien nous demandons pour non seulement nous rencontrer même l'opposition, mais la table de concertation au Gonaïve, et bien lui-même, il va signer pour l'entrée dans l'alternative là, c'est-à-dire dans différents groupes qui s'y accordent là. Là, nous lancer mobilisation ça, nous allons nous paniquer. Hier, non radio Gonaïve, on juge, eh bien, lui-même, l'idée descend dans la police, qui vient arrêter leader opposition. Eh bien, non Gonaïve, c'est Barado. Il vient arrêter Fritchery qui n'a pas. Il vient arrêter l'autre monio. Mais là, dit, juge là, fais attention. Nous déjà pour plein de barreaux avec CSPJ. CSPJ qui en pile dans son vaillant là-dedans. Qui peut tolérer ça? Nous dit CSPJ, juge ça, eh bien, il y a banni sa vérité. Policiers, nous dit, nous dans Gonaïve là, respecter la loi, respecter le règlement nous. Moi, pas quoi que nous devons rentrer dans l'action illégale, parce que dans l'article 33 du règlement de police, là, eh bien, dans le droit d'article encore, nous ne devons jamais exécuter un ordre manifestement illégal. Et c'est dans ce sens-là. Moi, quoi que je dis à la bataille que nous avons menée, c'est le vrai chemin. Et ça fait un petit mounio. Et qu'arrivé, nous avons 2 mois, nous avons 3 mois. Et quoi, mounio, jamais découragé. Bataille pour changer le système esclavagiste, là, pour Agaïman, 1791, libération 1er janvier 1804. 13 ans, je dis, bataille pour changer le système économique, le système social, le système politique, là, n'est pas facile tout. Et c'est peut-être ça que c'est avec courage que d'abord des batailles là, parce que son bataille, victoire, l'équivalent victoire totale pour les haïtiens, parce que dans sa douille, nous n'avons pas qu'à continuer là-dedans. Et c'est peut-être ça, mobilisation ça, dans Gonaïve, qui c'est ville côté indépendance de Libye, pour une grande mobilisation côté que pour toute l'autre ville qui était déjà gagnée et qui va continuer pour nous arriver jusqu'à Port-au-Prince. Donc on a dit ça qui passe dans la radio, nous dit ça va ébranler nous, on va faire on panique, on parago, nous allons arrêter nos situations que la grande mobilisation, que ce soit le département de l'Antiboïde, que ce soit tous les membres de l'opposition à travers le territoire national, l'Aptenio 5, pour nous redémarrer la mobilisation ça. Eh bien, qui doit mener nous à une bataille que ça me dégagerait, une bataille, un changement de système et une bataille côté peuple assez intelligent pour qu'on ait l'œuvre avancer, l'œuvre pour reculer. Une fois ça, nous allons avancer jusqu'à la victoire finale. Nous voulons dénoncer notre massacre qui fait sur la population encore. Le massacre de Mariani. Depuis que Moïse monte sur le pouvoir, c'est massacre sur massacre qui a fait sur la population. Tu as un massacre la Saline, tu as un massacre la Foufeuille, tu as un massacre Tokyo, massacre qui fait Belé. Et hier soir, ils font un massacre dans Mariani, dans la localité de la Tigodette. Et c'est des bandits proches du PHTK qui mettaient ensemble avec certains policiers dans Gressier qui font massacre ça. Nous identifions dans le massacre là un policier qui est le Tigodette. Nous identifions un AZ qui est le Mano, PHTK, et nous identifions un bandit, un assassin qui est le Palangren. C'est trois personnes qui concoctent le massacre là, et qui exécutent le massacre là à travers une machine de la police. Le massacre a fait hier soir vers 9h du soir, et il y a 9 personnes qui sont victimes. Parmi eux, il y a 5 qui sont morts. Il y a Nairobi qui est victime. Il y a Rashkad qui est victime, il y a Lucner qui est victime, il y a Belange qui est victime, il y a Tiawol qui est victime, il y a Tijen qui est victime, il y a Darlene, une jeune demoiselle qui est victime, il y a Angelo qui est victime, il y a Yoale ainsi connu qui est victime. Tout le monde est victime, pendant que vous avez participé à une réunion pour vous dire comment vous allez relancer la mobilisation dans la Grécie dans Mariani. Bref, là encore, sur notre massacre, voit Jovenel Moïse l'a fait sous population, hein, côté sans peuple à couler, et tout massacre ça est fait désormais avec la complicité de la communauté internationale et plus particulièrement l'ambassade américaine. Parce que l'ambassade américaine n'a pas le droit moralement continuer à supporter un président qui est en corruption,
n'a pas le droit de continuer à supporter un président qui a fait massacre sur la population, hein, qui a violé les droits monde. La communauté internationale doit comprendre que là, en Haïti, il y a commettre des fautes inacceptables et l'opinion internationale doit comprendre qu'en Haïti, l'ambassade américaine est en train de supporter des actes de violation des droits humains. C'est des bagailles inacceptables qu'a fait là. Et malgré ça, il a demandé nous pour nous négocier, il a demandé nous pour nous cohabiter, pour nous dans le gouvernement avec Jovenel Moïse. Nous apprenons qu'on secrétaire d'État et David Hill qui a rentré, qui a demandé nous pour nous faire gouvernement, pour négocier avec Jovenel Moïse. Je tout dit, monsieur Hill, nous pas envie d'entendre des paroles à d'autres saillots. Parole négociation à Jovenel Moïse, parole fait gouvernement à Jovenel Moïse. Semaine ça, c'est semaine Thanksgiving. Nous se mettre rester aux États-Unis, manger coudin avec famille. Il n'y a pas besoin de perdre du temps. Pas de personne qui va traverser le cadavre, qui mourit dans le massacre Mariani, dans le massacre Cafoufeuille, qui mourit dans le massacre Bel Air, qui mourit dans le massacre La Saline sous l'Ino, Tokyo. Nous ne pouvons pas traverser le cadavre qui mourit pour négocier job avec Jovenel Moïse. Même Jean Tout. Il y a plus de 155 citoyens frères qui ont assassiné dans la mobilisation. Nous ne pouvons pas traverser le cadavre pour aller chercher un job dans le Jovenel Moïse, à le mettre gouvernement, mettre premier ministre. Cela ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi. Nous ne pouvons pas chercher un job. Bataille nous, c'est une bataille pour nous casser un système d'exclusion qui s'est misé dans quatre pays. Bataille nous, c'est une bataille pour casser un système qui met des femmes, des jeunes, des paysans, des quartiers populaires sur le côté. C'est une bataille pour nous construire un pays en l'état dans l'intérêt du peuple haïtien. L'état totalement inacceptable, l'état vraiment immoral pour tout le monde qui a mouru et puis pour le monde dans l'opposition, d'Alchita pour négocier job avec Jovenel Moïse, à faire gouvernement. Pour le faire encore, M. Hill, c'est parole ça va venir parler, rete la caillou, mangez pour d'être dans la semaine, Thanksgiving, pas venir parler parole ça va dans les oreilles, nous pas envie de tenter, nous grand monde, c'est nous décider qui ça va faire. Le peuple a déjà tranché, aucune cohabitation n'est possible avec les assassins, avec les corrompus qui ont dilapidé les 4,2 milliards de dollars américains du fonds Pétro-Canada. Donc laisse ça, pas de discussion. Et nous disons, mobilisation, c'est une âme démocratique. Nous n'avons pas abandonné. Nous avons continué la mobilisation jusqu'à la victoire finale. Et la victoire finale là pour nous, ce n'est pas seulement les Jovenel Moïse qui ont le pouvoir. Victoire finale là pour nous, ce n'est pas seulement le bon gouvernement de transition qui vient. Victoire finale là veut dire pour nous, le nous craser le système pesé sous ça. Le nous devons construire un autre État, une autre société haïtienne dans l'intérêt de tout le monde. Et c'est ça que fait. Je dis, nous tous, nous allons aller pour Naïve, jeudi 5 décembre. Nous allons aller pour nous relancer la grande mobilisation de la cité de l'indépendance. Oui, toute l'opposition rassemblée, unie comme une seule femme, comme un seul homme, à présent dans la cité de l'indépendance, on a dit voilà ce que nous voulons pour notre pays. Voilà le combat que nous menons et nous entendons aller jusqu'au bout dans ce combat. Et on dit malheureux, malheureux, c'est pas une fête. Pas une fête, c'est son mois de décembre, c'est mois de fête. Écoutez, là, nous pas nos bagages comme ça. Le peuple n'a pas qu'à manger, le peuple n'a pas insécurité, le petit peuple n'a pas qu'à l'école, le peuple n'a pas qu'à le travail, le peuple a gagné toute qualité de problème, le peuple n'a pas qu'à fête, le peuple n'a pas qu'à rêve. Nous pas qu'à fête, nous pas qu'à rêve. Le mois de décembre 2019 là, c'est pas un mois de combat, un mois de mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. Et vendredi, 6 décembre 2019, nous allons organiser une grande marche. Ce sera la marche de la dignité et de la souveraineté nationale. Côté nous inviter tout secteur dans le pays. Même si vous n'êtes pas en opposition, vous êtes place où vous venez participer dans la marche. Ça, nous allons le faire vendredi 6 décembre 2019, qui prend le bout devant l'ambassade américaine. Son marche pour nous dire blanc américain, quittez peuple clandestin en main. Peuple a tranché, peuple a décidé. Peuple a pas voulu Jovenel Moïse encore. Peuple a voulu casser un système qui chita sous exclusion. Quitter peuple a prendre destin en main. Et marche qui va le faire 6 décembre, tout le monde concerné, dans quel que soit catégorie sociale ou y est, qui tout gagne l'argent, n'a pas nous dans marche vendredi 6 décembre. Qui tout pas gagne l'argent, n'a pas nous. Qui tous ces paysans, n'a pas nous. Qui tous ces jeunes, qui tous ces femmes, dans quel que soit social ou y est, n'a pas nous. Parce que dignité pays a. Souveraineté pays, ce n'est pas quelque chose de partisan.
souveraineté pays, dignité pays, c'est pas affaire opposition, c'est pas affaire alternative là, c'est affaire tout haïtien. La marche de la souveraineté et de la dignité nationale. Marche pour dignité pays à droit grand être pays d'Haïti, dans marche ça n'attend tout le monde. Pour nous tous, nous défiler, pour nous aller devant l'ambassade américaine pour nous dire suspendre, mettez barricade sous chemin pour empêcher le peuple là changer de condition de la ville. Parce que aujourd'hui, on seule barricade qui empêche nous renverser Jovenel Moïse. On seule barricade qui empêche nous crasser le système PCSUCA, barricade ça relève ambassade américaine. Cela est inacceptable. Nous sommes pays, nous avons dignité, nous avons prestige, nous avons histoire. Il est temps qu'il y ait suspendu pour être dans les affaires pays d'Haïti. Et c'est ça que fait. Et c'est ça que fait. Ouais, vendredi ça, nous avons rassemblé Tafou Aéroport. Nous avons rassemblé Chan Mas. Nous avons rassemblé dans tout le quartier populaire. Et nous avons défilé. Nous avons allé devant l'ambassade américaine. Tout leader à plat, tout député à plat, tout sénateur à plat. Nous serons en première ligne. Pour dire notre souveraineté nationale doit être respectée, notre dignité doit être respectée, il est temps de suspendre pour être bouché dans les affaires. Le peuple haïtien a tranché. Majoritairement, le peuple ne fait plus de Jovenel Moïse comme chef d'État. D'ailleurs, le peuple n'a pas dit pour lui. Il faut qu'il reconnaisse la nécessité pour venir rejoindre le peuple là dans la bataille de la main pour changer. La justice dominicaine yo mette la patte sur un pasteur qui relait Benoît Fils Léger alias Jean Ben Tosa. Monsieur c'est un haïtien lié, eh bien yo mette l'embacode parce que monsieur fait cas déjà que sur un fillette, yon petit monde qui n'a 12 ans comme ça. Donc petit monde n'importe quoi même gen 12 ans, li moins de 12 ans et monsieur grosse petit petite là. Pasteur ça qui relait Jean Benoît Fils Léger alias Jean Ben, monsieur gen 70 l'année sous tête li et monsieur très influent. Et monsieur son chef spirituel lui demandé maman petite là pour voyer le bali pour le capable aider le faire travail dans caille là vous comprenez font série de petits nettoyage patati patata pendant que monsieur était déjà gain plan en tête lui il était déjà con qui ça le pour le faire petite là et bien la petite là arrivé la caille monsieur. Monsieur était tout profité pour le convaincre ti petit là pour le faire ti petit là quoi que s'il pas accepter faire bagarre ensemble avec lui, li pral dans l'enfer. Monsieur plein ti petit là a menti, on pas quatre paroles de grain gauche, de grain droite que monsieur dit ti petit là et là ça monsieur profiter pour le faire ca déjà ti petit là. La nati tellement a parlé monsieur, ti petit là vient arriver grosse. Donc le ti petit là vient grosse 3 novembre 2018. Maman lui-même li porte plainte dans parquet Santo Domingo et laisse à autorité ou t'apprend ouvert une enquête par intermédiaire de unité d'attention intégrée pour victime question cardiaque avec violence interfamiliale et fait bagaille. Eh bien, yo t'apprend vin ouvert enquête là sous Toro ça. C'est laisse à ou t'apprend faire examen médical pour petit petit là qui gagne moins de 12 ans. Examen médical yo t'a pas révélé que ti petit la grosse et c'est pour toi pour pasteur ça que ti petit la enceinte. Dans témoignage victime nan bay li dit que pasteur a te promettre li jeune jour tout à l'heure là s'il pas fait bagarre avec li pral nan l'enfer. Pasteur plein ti petit la menti, ou connaissez ti moun pour diable yon ti innocent, li pa ta ka gen l'autre choix que ça, li pa gen l'esprit pour diable. Zago l'oreille là, li profite, li convainc ti petit là, li fait le quoi? S'il pas accepté faire bagarre ensemble avec lui, li pral dans l'enfer. Et monsieur même dit ti petit là, c'est un bagarre qui normal pour un petit monde dans la joue accepter faire bagarre avec elle parce que s'il pas fait, li pas pral dans ciel. Ti petit là qui croit dans parole ça monsieur dit ya, et bien ti petit là accepter son temps de ya, monsieur viole ti petit là, li fait cas de Jacques Souli et li tout grosse li yon fois. En tout cas, monsieur gen chay sou dol, c'est pas non pour la ou ye frèm, c'est non pays ou ye. Yo mette la patte sous monsieur et monsieur a passé 20 ans en prison pénitentiaire nationale de la Victoria et monsieur gen yon amende que le pral payer environ 200 000 pesos. En tout cas, bwa mare bagay yo vraiment Mangoumen pour pasteur ça qui vraiment pour le faire parler en pile pasteur mal dans la communauté ya ou vin kaimoun nan pays moun yo ces gens des actes ça ou le faire vin faire parler nous mal plus que gens y a parlé nous mal déjà d'ailleurs nous déjà gon paquet
bien dossier sous de nous, côté au passé autant dossier haïtien, yo bon chat hypoté, également ça arrivé dans pays moun yo carrément. Monsieur a fait une série de vieux bagailles qui passent ça. Fait parler haïtien. Gen Don Kato lui-même lui réagit après arrestation Anel Belisaire, mais monsieur réagit contrairement avec Mathias qui était solidarisé avec Anel Belisaire, mais Don Kato beaucoup de parle, monsieur plus parler de diversion qu'a fait. Donc m'a invité au suivre. Peuple haïtien songe. Bataille pour libération pas jamais facile. Surtout leur façon en pouvoir tête calée qui la chita soin rien, c'est bluff, c'est diversion pour créer dictature, c'est ça. Songez nous-mêmes, nous avons une grande route d'appoint. Son projet de libération et qui a passé d'abord par démission de Jovenel Moïse. Nous avons quitté une diversion pour créer dictature et nous avons veillé, mais nous-mêmes nous avons été attachés avec le projet de libération parce que c'est seul gens qui n'ont pas sorti tête nous dans sa nuit. Pas de fait lâche, pas de pression. Et me féliciter nous parce que nous comprenons diversion, modèle diversion Jovenel a fait. Merci beaucoup. On kembe pa gen fè lâche. La police fouke yon chef gang Tosa qui t'a évolué nan gang Savien. Depuis nous parlons de gang Savien, ou est Anel Joseph, ou est Odma, nèg sa yo qui créé en pile désordre dans la Tibonite. Et bien après yon véritable coup de filet, la police nationale là, Serge Préjus qui jwenn arrestation, monsieur en bas la police, monsieur t'a opéré la gang la Tibonite là, j'en te dis ou liant. Donc ça passé vendredi passé à là, donc monsieur c'est juste bombardo police dans nord-ouest pays d'Haïti que agent PNH a mette main sous lui. Donc le commissaire et gouvernement juridiction pour les PA Jean Volney bel la main. Donc monsieur et dit que tout ça, son membre qui était influent dans la gang Savien, Serge Préjus, monsieur, quitté territoire à côté, l'étape opérée à côté, l'ivine, théorisé population, bombardé au police. Et tout ça qui impliquait dans la question voler machine dans la zone département de la Tibonite, eh bien, monsieur là, lui embamé la police. Monsieur était autoproclamé tête comme chef police ou bien gouverneur dans la bombardé police. Écoute, fait là ça possible grâce avec proche et famille monsieur même qui livre monsieur bay la police parce que monsieur devine insupportable pour yo. Changement dans tête commissariat Saint-Marc là jeudi dimanche 1er décembre 2019 là Saint-Marc levé avec yon nouveau commissaire dans tête commissariat. Non, c'est commissaire Adel Jacques qui remplace commissaire Jean-Claude Jean qui était passé 2 mois. Non, pas ça, n'a pas bloqué, changement ça a vini 24 ans après tentative, donc échec tentative arrestation, ancien député tabac qui c'est Anel Belisaire que t'as parlé, maré et fouke kou krab, non, Jacques Mel et Pita. Donc, cérémonie, installation, nouveau commissaire a été fait, non, à souhait, non, c'était comme ça, en tout cas. Bagayou vraiment en pile gen causé mais pas gen bouche pour parler. C'est tout détail ça que nous té porté pour vous et nan bulletin information journée jeudi 1er décembre 2019 là, pas hésiter quitter un commentaire qui vraiment c'est vraiment important par rapport avec information que nous té porté pour vous là, ou pas oublier commenter mais commenter avec respect pour capable toujours courir travail là, vous comprenez, parce que YouTube pas vle commentaire qui négatif. Commentez avec respect, tant pis s'il vous plaît, pas hésiter. Abonnez avec channel là, c'est seule façon capable aider nous avancer, arriver 1 million abonnés. Bye bye tout le monde, rendez-vous à la prochaine.